trop moche. Quelles sont les chansons de votre vie? Il n'y en a pas beaucoup en français. Oui. En français, c'est les mots bleus, oui. Les mots bleus. Vous êtes sûr? Oui, oui. Il est là. Il est 6 heures au coucher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Devant une phrase inutile, briserai l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. En hiver soufflant en avril, j'aime le silence immobile. Sont couchés, je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile, cacherait l'instant fragile. Protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style. Et je lui dirai. Et je lui dirai.
Bravo, Christophe. Ouais. Merci beaucoup. Merci, venez. Vraiment, c'est un privilège. Un privilège pour nous. Je pense aussi un privilège pour vous, Christophe. Bravo. Vraiment, merci. Merci d'être là. C'est un plaisir. Ah ouais. Mais alors maintenant, Christophe, alors là, je vais me perdre dans les Christophe. Christophe Mioseck, expliquez-moi pourquoi cette chanson. Bon, Christophe, allez. Ouais. Allez. Non, c'est un météorite, cette chanson. Enfin, je me rappelle quand j'étais adolescent, quand elle m'est tombée dessus, j'ai l'impression que c'était devenu ma chanson et qu'elle exprimait. Quand on est timide, c'est la chanson magnifique. Et puis quand tu l'as réentendue. Par Alain, ça a été terrible aussi. C'était fantastique, ouais. Hein, ouais. La reprise de d'Alain, il mettait quelque chose aussi dedans. Et là, du coup, Christophe... On est un peu dans les mêmes... Oui, sphères. Dans les mêmes histoires, quoi. Ouais. Comment vous êtes... Attends. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, je ne connaissais pas très très bien la musique de Christophe. Je connaissais comment... Plus l'homme. Et ça, ça peut être très intéressant. C'est un peu comme pour un écrivain, pas connaître tous les bouquins, mais il connaît de la correspondance, l'écouter parler aux autres, recevoir des lettres des autres. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez présent. Et, je sais pas, c'est un truc con, mais quand je Mioseck, le nom de Mioseck résonne, c'est dans ma cuisine qui résonne, je sais pas pourquoi. Dans la cuisine. Oui, dans ma cuisine. C'est une bonne place. Parce que la cuisine est un endroit important pour moi. Parce que j'ai fait plein de choses. Il y a plein de photos partout, c'est le bordel. Et je me souviens que le premier CD que j'ai eu à écouter, c'était dans ma cuisine. Parce que j'écoute beaucoup de musique. Je découvre beaucoup de musique au réveil. Voilà. Est-ce que vous avez écouté Christophe? Ouais. Oui. Ah oui, non, c'est fabuleux. Et du coup, la version des mots bleus, c'est ça qui est fabuleux avec une chanson comme ça, c'est que Christophe peut l'emmener d'année en année, peut l'emmener ailleurs, en fait. Alors, il y a des reprises. Ce qui est assez surprenant, c'est que Christophe, moi je ne savais pas, a appris le piano très récemment. J'ai appris à jouer du piano. Enfin, j'ai appris à découvrir le clavier du piano, parce que j'ai fait du son, parfois dans les albums avec le piano. Mais je tenais toujours autour d'un même accord qui était le La dièse mineur. Et j'en ai eu marre, j'ai rencontré une instrumentiste, Justina, qui m'a, un matin, comme ça, c'était Aix-en-Provence, et je lui ai dit, tu pourrais m'apprendre ce que c'est que un dièse bémol. Je voulais, et puis je suis tombé, mais vraiment, je savais que je tomberais dingue donc j'ai un peu laissé tomber mes synthétiseurs, le reste, et là je suis complètement dans le piano, et c'est le piano qui m'a amené à cette aventure, à cette histoire de cet album intime. C'est sans lui, cet album il ne serait pas. Alors, de plus, il est seul sur scène et en tournée, bientôt aussi au théâtre Antoine au mois de juin. Ah oui, j'adore. Ouais. J'adore ce truc-là. Ouais. Ouais, le 13, non? Oui, je crois. Oui, je crois. Par le 13, là. Il me semble. Oui, le 13, oui, c'est un bon chiffre. Ouais. C'est un bon chiffre, dit-il. ça aussi, c'est quand même une aventure nouvelle, non, d'être seul. Ah oui, ça c'est... Oui. Alors qu'est-ce que ça procure? Ça me plaît d'être... Puisque je suis quand même en apprentissage de ce piano qui est quand même un étalon noir assez difficile à dompter, bien géré, mais qui est merveilleux parce que... Donc je ne serai jamais un virtuose, je serai juste un son et une expression particulière. Mais je travaille autour de mes failles. C'est, je ne travaille pas du tout pour essayer de devenir... de jouer une main gauche parfaite pour jouer du boogie, malheureusement, parce que j'aurais adoré. J'ai toujours été à l'écoute des joueurs de blues et de boogie, de piano, voilà. Christophe en concert, c'est une vraie aventure, quoi. On embarque, hein. C'est fabuleux. Et c'est jamais pareil. Non, bah non. Bon, c'était chouette, hein, qu'il soit là. Ah, fabuleux. À la version. Bah, j'étais du passage. Il est revenu, ouais. Non, c'est pas vrai. Il est revenu spécialement pour vous. Il était dans le sud et il est revenu spécialement. Voilà, pour vous. Mais je vais toujours là où je sais que je vais passer un moment nouveau. J'aime pas l'habitude. Donc c'est quand c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est un peu ça. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion de dîner ensemble et que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir l'envie d'imaginer un autre dîner. Parce que c'est vrai que
Et peut-être un jour, un travail en commun, pourquoi pas? Mais comment on a effleuré l'histoire un peu, ouais. Ouais, ouais, mais ça, c'est, après, c'est une histoire de... Christophe le sait, comme moi, hein, c'est une histoire de l'inconnu, d'inconnu, quoi. Ouais. Toujours entre l'envie de faire et... Il faut que ça se croise. Hein. Merci. Merci à vous. Ouais. C'est un joli moment. Belle rencontre. Mmh.